Et salut tout le monde, c'est Zert et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour découvrir ensemble les quelques nouveautés de Minecraft 1.9. Et cette vidéo est en exclusivité pour Minecraft Community. Eh bien, nous allons déjà voir les igloos, donc ce sont de nouvelles structures qui vont spawner dans le biome taïga. Donc c'est vraiment sympa, ça en rajoute avec le temple de la mer et les pyramides du désert. Donc on a un lit, une table de craft et un four. C'est pas très intéressant comme ça, mais si on regarde juste là, donc c'est pas dans tous les igloos, hein, c'est seulement dans certains. Donc c'est plutôt rare, mais ça vaut le coup hein, quand vous tombez sur une trappe. Donc faut juste casser le tapis. Nous avons une petite prison, donc ici un PNJ qui veut nous vendre la viande pourrie contre une émeraude et de l'or contre une émeraude. Et à côté, un zombie villageois, donc je trouve beaucoup plus détaillé que la normale. Hein. Déjà, on a une robe en 3D, si on regarde, voilà, ça, c'est du 3D, c'est HD. Et ici, on a un alambic avec une potion de weakness, de faiblesse, et un coffre avec de l'or et diverses petites choses fun et variées. Ensuite, quelque chose que je trouve sympa aussi, c'est un nouvel enchantement, donc c'est Frostwalker. Ça nous permet de marcher sur l'eau, donc regardez ça, c'est vraiment très pratique hein, si vous voulez traverser un biome océan ou quoi. Donc ça vous met des blocs de glace sous vos pieds et ça marche dans tous les biomes, pas seulement dans les biomes glace. Et en plus, ce qui est sympa, c'est que ça se détruit sous nos pas. Donc regardez, c'est ça, comme ça le lac ne reste pas gelé ou l'océan. C'est vraiment très sympathique. La nouveauté qui sert à rien mais qui est sympa, on fait un bonhomme de neige et on lui donne un coup de ciseau en faisant le clic droit et on voit son visage apparaître. Pour ce qui concerne les armes, on a les boucliers, les flèches avec tous les enchantements et particulièrement l'enchantement spectre qui vous permet de voir vos ennemis à travers les blocs. Et maintenant le meilleur pour la fin, on peut se mettre des ailes, donc on ressemble à un gros papillon de nuit mais c'est pas grave. Et quand on se laisse tomber, eh bien on plane et on peut décider de remonter, de descendre en piqué, hop, voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Allez, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je n'ai bien sûr pas tout présenté, ça aurait été super long. Comme d'habitude, like, abonne-toi, laisse un com, et ne l'oubliez surtout pas, Soc de Craft en vous. Allez bye, c'était Zert.